C'est par ce geste symbolique exécuté par Anatole Coliné Makoso, Premier ministre congolais, que la société de téléphonie mobile MTN Congo a dévoilé l'envers du décor de son second module du siège social. Un bâtiment R+8 qui vient dorénavant rivaliser ceux déjà implantés dans la capitale. Couplé à cela, la célébration ce 28 octobre de ses 20 années d'existence. Grâce à sa vision et sa volonté, mais également à l'engagement et au travail de ses employés et ses dirigeants, MTN Congo a su toucher et gagner le cœur de Congolais qui lui font confiance depuis un peu plus de 20 années. C'est donc avec grande émotion que je m'ai adressé à vous, car nous réalisons que 20 années durant nous avons cohabité et collaboré. À début, nous avions installé le 2G et 3G avec l'ambition de connecter les communautés afin qu'ils bénéficient des avantages d'une vie moderne connectée. Engagé à réduire la fracture numérique, MTN Congo entre dans le cercle des sociétés africaines de téléphonie mobile à miser sur les technologies innovantes avec l'expérimentation de la 5G. Les différents passages de MTN à la 1G, 2G, 3G, 4G et maintenant 5G, ainsi que ses nombreux appuis dans le cadre de sa responsabilité sociétale de l'entreprise méritent bien d'être rappelés en cette circonstance. Tant les offres de solutions ont créé non seulement les emplois dans les secteurs formels et informels, mais aussi encouragé le développement de pôles technologiques, d'incubateurs, d'accélérateurs. Écrire l'histoire ensemble avec ses consommateurs, tel a été l'objectif de cette société qui ne cesse de consolider sa relation au travers ses offres, produits et services, répondant à toutes les bourses et couches sociales. L'ambition de cet opérateur pour les prochaines années serait d'accroître son engagement socio-économique en République du Congo. Comment pourrions-nous ne pas souligner d'un train singulier la contribution inestimable d'un partenaire, la société de téléphonie mobile MTN Congo, dans la célébration du 20e anniversaire de ses activités traduit aux yeux de tous son engagement à transformer la façon de communiquer et d'échanger les informations entre les consommateurs et les entreprises, mais aussi à jouer un rôle clé dans le développement socio-économique de notre pays. MTN Congo, c'est plus de 3 300 000 abonnés répartis dans environ 400 localités avec un taux de couverture de plus de 90% de la population congolaise.